téléspectateurs, bonsoir. C'est l'heure de Cocktail TV Show, émission favori panouan qui est présentée à partir du sud de la Floride. Jeudi, moi, dans la ville Pembopante, et nous avons gardé des monuments en mémoire des héros. Et du 11 septembre 2001, eh bien, héros, ça y est, tout le monde qui te porte secours, et que c'est policier, que c'est pompier, que c'est civil, que c'est et membre de l'armée américaine, et toute la nationalité, tout le monde qui t'est campé pour te porter support à victimes, attaques terroristes, du 11 septembre 2001. Eh bien, moi, content de retrouver nous à Soya, nous allons passer une heure de détente et d'information. Préparez-nous, car c'est Cocktail TV Show qui rentre chez vous. Yo, I'm People, yo. And I'm Richie. From Class. Class it is, baby. Tout Jean, you watching. Cocktail TV Show, keep it là. Aïe, fais la tout kéo. Cocktail TV Show qui a présenté chaque semaine sur Tele en Haïti, sur Tele Anacaona dans le sud et le centre de la Floride et à travers l'internet teleanacaona.com. Émission hebdomadaire ça et ben nos informations sur le monde culturel et sur le showbiz non seulement de la communauté haïtienne mais en plus bah qui a passé à travers le monde. Qui est capable d'attirer l'attention. Non, c'est pas alors, c'est un plaisir pour moi pour me présenter nos émissions. Aujourd'hui, au menu, nous avons, comme d'habitude, nos présentateurs vedettes, Nayeli Fanfan, mannequin et entrepreneuse, infirmière, qui lui-même a porté pour nous dans le segment Beauty and Confidence, un paquet de conseils pour nous-mêmes, mesdames, messieurs, pour la famille, de façon pour améliorer la vie. Et puis, Chef Celestin a porté pour nous un plat et plat favori pour que l'irémet que j'aimerais me dire là et un plat que nous préparer selon tradition haïtienne là et un plat qui a bon pour santé nous et événement qui plus marque communauté noire c'est décision que et commission ville Miami prend pour les capables déterminer les limites de Little Haiti. Donc c'est officiel, ça fait longtemps, des années que nous avons on parlait de Little Haiti, eh bien, c'est officiel, nous-mêmes haïtiens, dans la diaspora, et particulièrement dans la Sud-Floride, nous gagnons un panneau reconnu officiellement par l'État de la ville de Miami. Bien certainement, nous avons dit que nous reconnu au niveau fédéral, Little Haiti, TIT panneau, et nous allons présenter nous dans ce segment ça, ils ont parti et de un moment historique ça, et puis nous avons parlé de l'autre événement. En ensuite. Dans le mois Haitian Heritage Month, puis précisément dans le jour qui était jeudi 26 mai, la Commission Ville Miami a voté à l'unanimité pour bâtir officiellement une zone dans la ville. Non, Little Haiti. I am surprised and disappointed that I was not contacted nor notified about this item concerning considering my long-standing involvement in this community. I believe that any sweeping renaming of an entire area without the sensitivity to its historical context is like erasing a very important piece of history and destroying historic buildings that have significant meaning in our city. I urge you to defer this item until there has been meaningful and ample time to properly engage the community and come up with solutions that address the concerns and rights of all affected parties. Thank you. If you haven't made up your mind, I hope through the conversation by others you have, or you know, your hearts are touched. I have worked for the city of Miami for 5 years. I have worked diligently, honestly, and I have worked with passion. The tears that you hear are not tears of weakness. I am not broken. I am just as strong as my forefathers. I'm just as strong as Marlene Bastin. I'm just as strong as Gypsy Metelis. I'm just as strong as the elderly who sat here who needed a translator. But I am in the middle. I am in that gap where sometimes we get lost. And I work for the city,
And like the chairman knows, it's difficult sometimes. You can't put your personal feelings on the record because you represent an entity. But I ask that you understand that as an employee, I serve just as you serve. Your staff serves those who come before us. Residents, I am a resident. The Haitian people are residents. African Americans are residents. Even business owners are residents. This is not a new issue. This issue has come many, many times before, and many, many times before it has been deferred. One day Marlette won't be here. One day Gypsy won't be here. One day my grandmother won't be here. One day I may not be here. And unfortunately, if you don't take today as the day to recognize the contribution of people that have not taken from those who were here, they have added to what has been here. We have sat in the shadows of others and have not been recognized. It is not the name. The name is just recognition. We want to be able to be a part of the conversation. We just don't want to be a part of just the process of helping others push their views to the front and making sure that they are representing us. But what we ask of you today is to represent us, to respect us, to acknowledge our existence as people, as a culture, as a contribution to the city of Miami, Miami-Dade County, the state of Florida, and the United States of America. Respectfully, a city employee, Rosalie Augustine. Well, my name is Francesca Menes, address is 5503 Northwest First Place, zip code 33127. I am a 100% product of Little Haiti. I was born and raised there. And as I've seen my community grow and how much we've been able to contribute it to not only the growth of our community, but to the city of Miami and understanding the importance of respecting our culture, I ask you, councilmen, commissioners, to actually think back to the way that Miami was and the fact that a lot of our community's histories are being erased. It's as if we don't exist anymore here. And it's always disappointing to see that when communities of color have to fight and have to ask and demand that we be acknowledged as community members and that our culture is preserved. And this is what we're continuing to fight for. This has been a 10-year fight. This is not a first time that we're having this conversation. This has been back since Arthur Teal, Michelle Spence Jones, Richard Dunn. So this is not the beginning of the conversation, but I'm hoping that this is gonna be a progression towards the work that we know that we need to do in Little Haiti, because any deferment of this, Little Haiti used to go down to 36th Street. We have gone in and inward where our community is no longer starting to reflect us, because people are coming in, buying our properties and kicking our people out, where they're basically gonna erase who we are and who we are as a people and our culture. So a support for this resolution is saying that you respect what we as a community have contributed to this community, the growth. And Little Haiti is nationally and internationally recognized. The fact that the Visitors Bureau actually invests in putting an office there to make sure that tourists come, we contribute economically to this community. We contribute politically and socially. So you have a responsibility to preserve that. Because if we knew that we could get this and we didn't have to come here to ask for that preservation, this would have happened. But not many of our communities actually gained that support without demanding of and fighting for what we know we deserve. So I ask for your support this morning and that you move forward with this resolution. Thank you. Thank you very much. Miami, we're in all of our documents, in net, in GMCBB, in our conversations, in our tax dollars that we make these buildings look a certain type of way. Everything that we do, we say Little Haiti, but we won't pay the homage to actually identify this community so that it can really be a tourist destination for everyone to enjoy. I know this is a first for everyone. I know this has never occurred before, but I think that this is something that we should do. I tossed in my bed a lot about this issue. A lot of people discussed this issue before me.
many, many meetings, and I look at the meeting minutes, and people praise Rosalie for the good job that she did in talking to the community about this one issue. I think it's all talked out. Good morning. My name is Valencia Gunder, 1800 Northwest 75th Street, Miami, Florida, 33147. I am here as a resident of Miami, Florida, my whole entire life. I am of Bahamian descent. My great-grandparents are part of those beautiful pioneers that Dr. Pinckney spoke of, and I'm very aware of the history of Lemon City. However, and this is me speaking with my grandmother and other pioneers that came here also, they even recognized Little Haiti as Little Haiti. We understand the history. I respect the history. However, I do think that it's very important that Little Haiti is given a chance to take form officially. Every other community has its chance. I understand what some of the community members are asking, why wasn't it community engagement, but there's a lot of things that happen in our community that doesn't require community engagement. A lot of these stores and developers come in, we don't see any community engagement from them. So I've been here, I'm 31 years old, so since I've been here, Little Haiti has been here. I can't imagine a Miami without Little Haiti. So I'm asking the commission and the chairman to please support the Little Haiti community in this endeavor. So I think here what we have is a community that is coming forward because oftentimes historically they have felt as a race and even as citizens to be ignored and overlooked. And I think when you talk about federal immigration policy, there's an issue there. You know that Cuban Americans get a certain favorable immigration policy and Haitian Americans do not. And they're both fleeing, what they feel is persecution in their country. And they don't have that same treatment. And I've heard it here. I've been to many community meetings. Many of you I've spoken to directly, and that sentiment is there. So I think this is a recognition that the Haitian community in our city is vibrant. It should be recognized. It should be applauded, and that we care about them. And I think oftentimes, as our government, when people feel disenfranchised, government needs to step in and do what is necessary and what is right. And in this case, what is necessary and what is right is to send a message to the Haitian community that the city of Miami cares for its people. Anything else? Before we go to vote, I want to say that I think history was, when it comes to the treatment of people, history will smile at your comments. Because people that share my complexion all over the world suffer because of it. And I thank everyone who came to speak on both sides of the issue. And I admire the city of Miami because the city of Miami has the courage to have that conversation. Because in so many places, they won't talk about race, not in a productive fashion. And I watch you all stand at that lectern and speak. And people, when they didn't like what other people said, did not interrupt them. You all, as a group of people, should be proud of how you conduct yourselves. And this is part of the reason that I love being a part of this community. And I hope that, the decision that I made today doesn't tarnish the relationships that I've built with certain people that are here. Black and white. Because no matter what, I'm always going to hear you, hear your issue, and make a decision moving forward the best way I think will affect that community, our community. And so if you're on either side, I respect you. I think you all did a magnificent job
You should be proud of yourselves, and thank you for coming to share your thoughts. Roll call vote. Roll call on item RE11. Commissioner Gort. Yes. Commissioner Croyle. Yes. Vice Chair Russell. Oui. Yes. Commissioner Suarez. Yes. Chair Hardiman. Four. The resolution passes 5-0. As modified. What time are we coming back? Well, today, after 16 years of fighting to recognize Little Haiti, to put it on the map, and to prevent the encroaching of our legacy, of our historical legacy, finally, the City of Miami Commission voted to approve a proposal to really recognize Little Haiti. Le fait que Little Haiti, je dis, tu gagnes des bâtisseurs de la communauté, tu gagnes des racines, hein? Quand tout s'est ouvert, tu dis où? Tu gagnes monde qui te travaille. Aujourd'hui, nous avons Little Haiti. Our ancestors, the late Father Gérard Jean-Juste, the late Arthur Thiel, all those who died fighting for Little Haiti, we've waited too long. So it was about time. We are happy, we are elated, we are excited. So now no one can come and then erase the name of Little Haiti. Because if this decision was not made today, in a few years, Little Haiti would disappear. Because already, we cannot claim 36 feet already. We cannot claim 46 feet already. We cannot claim 46 feet, 51st feet. So it was a negotiated decision to preserve the legacy and history of our beloved Little Haiti. Looking for a taste of the Caribbean right here in North Miami? Where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile? Then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami, Florida, 33161. Come on down the island. Going to talk about ways that you can confidently have a vacation without spending a lot of money. You can have, for example, a staycation. Let's say you don't have a lot of money to travel and you want to spend time with your family away from the routine, then you can actually go to a hotel locally, like wherever you live, and you book a hotel for a week or just for the weekend, and you actually have your family, your significant other, whoever you want to spend the time with. Or if you are the type of person who wanna spend time a vacation alone, have some time alone, then you leave your house and go to a hotel. So that's definitely one way that you can save money. You don't have to travel so far, pay a flight ticket, pay a hotel, pay so many things, transportation, when you are actually doing it locally. So yes, that was one of them. Another way that you can save money is, like, for example, going to a cruise.
as you go to the cruise, you don't have to pay for the food, you don't have to pay for a lot of other expenses, and usually, like, if you book a cruise for a weekend or 7 days, it usually comes in an average price that is decent for most of the people, versus like traveling all the way to Paris or other places where they have to have so many overhead and so many unexpected expenses just to have fun. And also, don't forget that the main idea of having a vacation with your family or your significant other, your loved one, is pretty much the quality time. As you can see, a lot of people travel far, far away, hours of in the airplane and hours visiting, and they don't even spend time with each other. And the whole vacation goes like, I just visited something new, I come back home, I'm exhausted, I'm tired, and did they really, really enjoy that time, that quality time with each other? Not really. All they can say is like, okay, I went to a place and I visited something. So if vacation means to you quality time, especially with your children or with your significant other or by yourself, then make sure it's a place that allows you to rest, to relax. Another idea, for example, for the kids may have a busy schedule during the school year and they don't have time to really have a great break. So summer camp is a great idea. Summer camp can be locally. You don't really have to like fly the kids away, pay for tickets, pay for food. The summer camp will actually give them food. Summer camp actually does field trip with them, activities, inspire them, give them activities where they can learn new skill, new ideas. So summer camp is a great idea. If your kids is into sports, we have the YMCA. Some kids during the school year, they don't have the opportunity to do extra curriculum activities, and perhaps the parents are busy or they are busy with their schedule. So a YMCA, a sport camp, those type of things are really great for kids, that you can have your kids get a break and have a great vacation, mingle with other kids, a new group and new inspiration, new learning, and new fun activities. So we can think about also camping. You can go camping locally in wherever you live. You don't have to travel so far, or you can just have drive to a different city, a different state, depending on where you live, and actually have a nice little camping weekend, camping week, where you have everything together and you spend amazing quality time. So other ideas is actually, if you have a long weekend, you can go away for a zoo, the museum, with your significant other or your family, the kids, and those are ideas that you can actually like save money. So remember, those ideas are way to spend more quality time and spend less money. They are like ways that you can confidently have amazing vacations for during the summer. So have a great summer. See you soon. Looking for a taste of the Caribbean right here in North Miami, where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile? Then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami, Florida 33161. Come on down the island. Vous êtes toujours branché à Cocktail TV Show, émission hebdomadaire panouan qui passait sur Tele Anacaona le jeudi à 7h du soir, reprise vendredi à 11h du matin et samedi à 5h de l'après-midi, et sur Tele 20 le vendredi à 8h du soir, reprise le samedi à 7h du soir. Eh bien, et merci encore à Nayeli qui était côté tout conseil ça avec nous. Dans la prochaine émission, nous pourrons aller connaître un segment Film and Television. Semaine ça, on a parlé de Haitian Movie Awards qui est pour organiser le 6 novembre 2016 à Nissa, dans Boston. Et c'est une initiative de Motion Picture Association of Haiti. Donc, ils ont annoncé et film et acteur qui est nommé
pour Anissa. Donc, nous retirons le portail sur ça. On a parlé de 2016 Asian Movie Awards. N'a pas les jeudi 1 de 6e édition Haiti Movie Awards. Semaine dernière, Motion Picture Association of Haiti Inc., qui est basée dans l'État Massachusetts, publié liste finaliste 6e édition Haiti Movie Awards, qui a fait 6 novembre Cap Vinila dans John Hancock Hall, qui est dans Boston. Plusieurs films haïtiens sont finalistes dans différentes catégories. Tant que catégorie meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. N'a pas regardé sur l'écran nous là, liste finaliste. Compliment à tout le monde qui a travaillé soit en Haïti ou dans la diaspora pour progrès et promotion industrie cinéma haïtien. Dans une prochaine édition de Cocktail TV Show, n'a pas venir avec plus de détails sous 6e édition Haiti Movie Awards. Taste of the Caribbean right here in North Miami, where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile. Then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami. Miami, Florida, 33161. Come on down the island. Tant que ça a fait depuis plusieurs années, moi, Méa, qui consacrait moi héritage culturel haïtien, ici aux États-Unis, vini au mois très très chargé. C'est pas deux programmes qui fait dans différents contrées qui gagnent une large communauté haïtienne, tant qu'on a Miami, Palm Beach, New York, Boston à Californie, pour nous citer ça seulement. Que ces festivals, bals, parades, cérémonies officielles, activités dans l'école, dans l'église ou dans le parc, nous-mêmes haïtiens, t'es fait remarquer présence nous. Si on époque tout, pour un pile haïtien voyager sautant dans l'autre pays, vin visiter famille ak zanmi yo qui ap vive aux États-Unis. Donc, Haitian Heritage Month, ici aux États-Unis, les plus que une célébration de l'histoire, culture ak identité haïtien. Lise yon moment retrouvaille pour plusieurs millions haïtiens qui éparpillés dans quatre coins terre. Yon moment historique pour haïtiens qui vivent aux États-Unis, mais particulièrement pour si la yo qui ap vive dans Sud Floride là. Yon bataille que un pile leader à concitoyens haïtiens menait pendant 16 ans pour qu'un bezon nan attaché à culture et héritage haïtien. Yon façon pour honorer premier haïtien yo qui installé yo nan zone nan et qui contribuait à développement Miami. C'est première fois que commission municipale Miami voté yon résolution pour désigner yon nom pour yon zone. Yon résolution qui recevant un pile critique bon côté afro-américain yo ak américain descendant béhémien yo qui croit que haïtien yo a pilé l'histoire ak héritage premier béhémien qui était débarqué dans zone nan et même avant ville Miami t'est vinn développé. En pile monde pas content, c'est vrai. Mais jodi an a États-Unis, même gens chinois yo gagné Chinatown dans New York, cubain yo gagné Little Havana dans Miami, nous même tout haïtien nous gagné Little Haiti. Nan dernier weekend moi qui c'est Memorial Weekend, te gagné en pile programme. Parmi eux, 10e édition Best of the Best Music Fest, qui était faite le dimanche 29 mai dans Bayfront Park. Elephant Man, Mr. Vegas, Tyrese Smiley, Chris Martin, Destra, Beres Hammond, et Sweet Sweet Cocotti,
C'est parmi artistes caribéens qui t'émettaient du feu sous scène Bayfront Park là devant plusieurs milliers de monde. Dans le même dimanche, tu as gagné 4e édition Haitian Caribbean Book Fair dans Little Haiti Cultural Complex. Avec plusieurs auteurs haïtiens caribéens, fois livre ça organisé par Société Koukouye à Miami Book Fair, tu as attiré grand monde, couti monde, toute nationalité. Il y a un autre programme qui t'a fait en pile parler de lui, c'était Bal Disciple qui fait sortir dernier album ni qui titré Clairéo. C'est concernant Hollywood Live, samedi 28 avril, là, un pile fanatique combat direct t'est déplacé pour apprécier dernière création de la bande à calmante couleur d'ici. Bonsoir tout le monde, nous rentrons dans le segment In the Palette, qui est le segment cuisine nous dans Cocktail TV Show. Je dis encore une fois, nous sommes au King Creole Restaurant qui est chita dans 13695 West Dixie Highway dans notre Miami. Eh bien, nous connaissons Chef Celestin qui recevra nous aujourd'hui pour présenter nous un menu spécial. Comme nous connaissons, au King Creole Restaurant est spécialisé dans menu et manger de bonne qualité, manger tout qui pas déranger santé nous. Oking qui chita nan que notre Miami, mais Jean l'on paraît là Oking Creole Restaurant, eh bien ou ka prend plaisir et nous même qui vini k'ap vini pour lunch ou bien dîner, k'ap vini en famille, on réunion de travail avec collègues nous ou bien pour et définitivement avec Timonio. Donc tout ça au King paraît pour ba nous les meilleures recettes du monde. Spécialité Chef Celestin. Bonsoir Chef Celestin, comment est jeudi? Hein? Bonsoir. Bonsoir frère. Et me content et qu'on recevoir nous jeudi hein? Et dis-nous qui comment tout d'abord comment et restaurant marché dans notre Miami, comment et réception clientèle là? Bon, nous pas qu'à complaindre grâce à Dieu parce que nous gon manger qui à la haïtienne qui mon yo très remain parce que li bon pour santé yo que mon yo t'a chercher que nous c'est manger ça nous présenter mon yo. Nous avec au gain menu très riche en cooking ou pas seulement gain manger haïtien ou gain tout menu est américain que et l'autre nationalité qu'a retrouvé yo, mais certainement gain spécialité ti pain haïtien ti bonbon haïtien donc et gain plusieurs bagages qu'on fait et on fait catering tout donc comment étrangers recevoir cette ça bon yo ka di ça nous pas gon trop gros complaint ba étrangers yo y apprécier yo t'a chercher manger haïtien yo très à la na toute Miami mais qu'on y a là moi yo trouvé dans au King Creole y apprécier cuisine créole là très bien. Et c'est surtout l'atmosphère qui gagne dans le restaurant avec et qualité de service que nous offrons qui fait originalité, nous, bien sûr. Bon, c'est original. Nous connaissons, depuis ces bails haïtiennes, nous-mêmes, je nous présente tout avec qualité de service. Et tout ça rentre dans la partie paquet du noir. Parlez-nous un peu plus de les recettes que vous présentez par les téléspectateurs et Cocktail TV show jeudi. Jeudi nous gain un plat haïtien que nous ka di son plat tout le monde connaît, c'est un plat de tout le monde remet les dimanches, si tous les dimanches, mon yo remet plat ça yo, c'est ça que fait journée jeudi, on a préparé plat ça pour yo même, yo pour aller présentation comment nous présenter yo et qui ça pour aller manger yo, qui ça pour aller manger et nous même qui ça nous ba yo. Qui ça plat ça? Jeudi, nous avons un plat qui gagne tout bagage
poule boucanée avec diri jonjon avec macaroni salade. Et pour qui ça on poule boucanée parce que moi connais notre tradition nous poule boucanée c'est le noir aller la plage nous jeune petit poule boucanée nous mais qu'on y a on va présenter poule boucanée dans plat du dimanche pour qui ça. Bon, on connaît tout journée aujourd'hui n'a focus sur santé. Nous avons éliminé le fat et graisse. Donc, pour le boucané, l'avantage pour le boucané, c'est le fait qu'on ne met pas l'huile dans le poulet, pas frire avec l'huile, un paquet de graisse. Et lui-même, au contraire, lui-même réduit la graisse parce qu'avec de chaleur qui lui-même est retiré la graisse que pour le gain, c'est ça? Oui, parce que c'est boucané pour la boucané, graisse là, toute fat graisse est tombée. Obligé bouler c'est seulement c'est viande puis viande là ou manger. OK chef, parlez-nous un peu plus de ingrédients et plats ça aujourd'hui. Bon, aujourd'hui nous gagne poule là, nous fin nettoyer les que nous fin clean les qu'on y a là, nous tremper poule là. Ça c'est original haïtien, naturel puis season. Donc nous connaissons que haïtien mais sué poule. Est-ce que ou même dans recette poule on sué poule là? Bon non, nous passer poule là parce que nous c'est boucané poule là qu'on y a là, nous obligé passer li, il pral c'est en grill là. OK, et puis l'autre bail qu'on gagne, on gon poids là. Oui, ça son poids frozen, non poids vert, c'est les mêmes nous utiliser parce que jeudi nous pas bail poids vert avec diri collé. Avec un jonjon, c'est ça. Yeah. Donc poids ça c'est lui même que haïtien que aurait le lima. Yes, c'est poids ça aurait le lima et quoi le poids de sous tout. Et si tout mon nano, tout monde connaît ça, mon nano c'est poids sous. Poids de sous que nous aimons, nous aimons haïtien. Et puis au gain du riz. Hein? Bon, ça son diri, tout le monde connaît ça, c'est diri blanc qui c'est un diri qui très fortifiant, qui est son diri qui toujours haïtien nous remet lui, c'est ça qui fait nous bay pi bèz diri. Et macaroni, qui macaroni qu'on choisit? Ça son macaroni nous présenter, son macaroni qui gen nous ka di au moins wapre li qui gen au moins de trois couleurs que nous pou obligé avec les nous vin add couleur nous sur li qui vin bien belle, bien présentable. Donc qui agréable à l'œil tout, c'est pas seulement la vente mais moun yo l'a regarder plat, yo wè que plat agréable et appétissant. Et l'autre ingrédient qu'on gagne? Nous gagne l'huile, ça c'est un pour chaudier hein, qui pour pas bouler diri hein. Ça c'est ça nous mettez, ça c'est ça c'est exact les vegetable oil. OK, mm-hmm. Ensuite. Nous gagne beurre parce que nous utiliser beurre dans diri hein, nous pas utiliser pile l'huile. Ça c'est jonjon, ça c'est season, ça c'est l'âge avec thym pour et piment douce. Et c'est et puis ça c'est une spécialité OK? Yes, ça c'est bon, on peut dire ça c'est cuisine haïtienne mais c'est spécialisé OK, c'est dans OK on peut trouver ça. OK, puis nous on gagne sel tout. Oui parce que les manger à supposé il pas supposé gain trop sel parce que nous pas utiliser magui, nous pas utiliser absinthe, c'est ça qui fait ou après celle là pour nous obliger pas manger en test, ils viennent nous mettre toute saison ça. Bon ça c'est un petit saison mélange que nous mettez, ça sont cajun que nous mettez pour nous ca bailler manger à plus test. Ça c'est persil. Ça c'est thym. Et puis ou gain l'autre ingrédient tout. Ça c'est céleri, piment douce, oignon. Ça c'est jambon. Quel type de jambon? Parce que nous connaissons plusieurs types de jambon. Quel type de jambon qu'on va utiliser? Qu'on sait mon utiliser tout dans la recette? Ça c'est jambon smoke jambon. C'est jambon teki, son jambon qui bon pour ou plus ouais dans gros femme ta côté plus étranger ou utiliser jambon ça. C'est donc en créole jambon koden. Yes, jambon koden. OK. Yeah. Et puis nous avons un fromage tout. Oui, ça sont fromage, ça c'est pour nous ca mettre qui pour aller... parmesan. Parmesan qui pour nous qui pour aller ensemble mix ensemble avec un macaroni et salade. Eh bien qu'on y a nous quand nous ingrédients nous pour aller directement dans recette là, comment nous pour le préparer plat dimanche noir. Nous pour commencer qu'on y a là pour nous préparer jonjon.
manquer pour nous pour dire rien. Ça c'est quelle quantité de jonjon qu'on prend et quantité de l'eau qu'on met? Ça c'est une tasse d'eau, si nous t'avait dit une tasse d'eau. Ça c'est un cuillère jonjon parce que jonjon est très fort. Comme on te ca ouais nous gagne jonjon qui était en bouilli qui de 30 minutes que qu'on y a là, jonjon a fini bouilli. Donc on met jonjon sous du feu et bouilli pendant à peu près combien de temps? 30 minutes parce que nous besoin prendre tout jonjon qui dans jonjon. Tout jus qui dans jonjon? Yes, tout vitamine, tout ça qui dans lui pour nous prendre. OK. Yeah. OK. Jonjon paraît qu'on est là. Nous faut moins chaud. On y a nous commencer. Nous prend half. Ça c'est l'huile pour poids. Ça c'est céleri. Oignon. Ça c'est naturel saison haïtienne. Ah bon créole épices. Là, qu'on y a là, nous pouvons commencer à démarrer. Nous mettez pour nous commencer. Qu'on y a pour nous commencer deux minutes comme ça, il commence à rassembler les colis, il commence à sauter parce que nous quittons le poule pour un saison en rentrant dans le poids. Pour nous avoir un bon genre de test haïtien, qu'on y a là, nous commençons, nous prenons de l'eau, jonjon, hein, nous avons préparé, nous mettons, qu'on y a là, parce que nous avons besoin de reste jonjon, nous mettons un cop de l'eau encore, parce que nous avons besoin de mettre deux copes de l'eau, qu'on y a moins lavé, pour prendre tout le reste jonjon moins. Cop diri nous pote parce que jonjon nous te commencé à point couleur pour nous à point couleur on y a là commencer on y a là nous pour aller encore nous point bé. OK chef, moi que duri a préparé là et combien de temps ou quitter duri en sous du feu et qui volume fois? Volume là c'est nous quitter sous 4 bien l'eau. Donc quand ça relé et feu doux. Correct. Qu'on y a là, n'a pour aller nous quitter li là dans 20 minutes dire paré pour manger. Donc on va là nous finir comme nous connaît n'a couvrir et duri. Nous pour si nous t'a dit nous pour tout faire duri. Chef Celestin, nous gagne duri nous sous du feu kounye, nous pral commencer nan et préparer poulet. Yes, poulet kounya la, poulet nous saisonner overnight kounya la, nous pral. Qui ça nous mette nan pour assaisonner et poulet? Bon, c'est saison nan son saisonnen by à la haïtienne, mais ce qui pas naturel parce que ces saison nous paraît pas céleri, persil, oignon, piment douce poro, l'ail, sel, nous préparer que nous-mêmes nous mettons, nous mettons dormi overnight pour manger à viande à une bonne saison là-dedans. Oui, ça très important pour moi comprendre parce que moi ici aux États-Unis des fois yo c'est pas y a fait viande là et puis on met un petit sel, on met un petit poivre sous lit et puis et c'est ça et c'est tout épicé mettez sous viande là mais nous même haïtien nous croyons dans viande bien épicée nous. Yes, bon genre citron, bon genre orange si que c'est tout ça nous mettez préparer pour nous tremper viande. Et nous assurer nous quitter dormir et dans frigidaire avant nous utiliser le lendemain.
Oui, nous quittons le domi avant de nous utiliser. Parce que nous ne pouvons pas faire comme l'autre monde. Parce que l'autre monde, c'est 10 points pour là, ou bien viennent là, la sous là, bon sang, cardio, même de l'eau, pas ouais. Que nous-mêmes, non, nous ne pouvons pas servir comme ça. Nous-mêmes, nous préparons un bail en bon gens que vous connaissez, la caille. Qui a un bon goût. Eh bien, là, quand nous venons passer une nuit dans frigidaire ou retirer, et qui sont fait avec, comment on fait? Quand nous là, nous finissons pour nous, tout vient nous finir bien assaisonné, dormi, quand nous là, nous pour aller mettre pour nous sur grill. Chef, nous connaissons que pour griller un poule, ce n'est pas un bar au café sur n'importe qui four, quand il y a un four électronique, et flatio et platio mon monde pas capable griller on poule et sous fou comme ça donc qui ça on monde ca gagner qui type de grille comment mon ca et procéder pour capable et gagner recette ça la caille faire recette ça la caille bon et au ca m'ca dire que yo pas capable utiliser n'importe grille parce que gain spécial grille yo voyer pour ça même pour ca griller boucaner pour là parce que si tout avec maladie si gain lèlè tant que nous-mêmes ou l'ogrier pour là les plus bon pour vous avec si toute tension si qui gagne yo les ça utiliser on grill qui certifié qui bon pour manger ou pas manger et grisaille qu'a fait mettre le derrière la caillou et donc nous connaissons pas seulement le allant barbecue le allant pique-nique ou capable présenter un plat un poule grillé ou bien un poule boucané et une assiette tout sous tabou donc son bagage qu'on capable faire j'en veux n'est-ce pas yes son bagage au café la caillou mais c'est pour utiliser bon Jean grill qui pour faire lui au café qui te conserver grillo la caillou il vient pour ca hey conserver sain mais bon pour santé ou qui bon pour vous même tout et puis attention pour ne pas mettre du feu dans caille là nous toujours dans cuisine au King Creole restaurant qui chita dans 136 95 West Dixie Highway dans North Miami et nous avec chef Celestin qui jodi a présenté nous un plat du dimanche du riz pois de chousse et viande boucané poule boucané et puis avec une salade macaroni chef nous montrer les téléspectateurs comment pour préparer et jonjon préparer du riz jonjon avec pois chousan comment yo boucané et viande comment pour épicer viande tout ça qu'on y a nous pas rentrer dans dernier phase qui c'est macaroni salade là bon on connaît des pour gain du riz faut gain salade des pour gain salade faut gain du riz qu'on y a là nous fait une salade macaroni salade macaroni hein macaroni nous gétan préparé bouilli déjà qu'on y a là nous gain tout ingrédient pour bon poser question l'or bouilli et macaroni est-ce que vous mettez qui est-ce que vous mettez l'autre épice ça dedans qui sont mettez là-dedans sel seulement nous mettez un petit large bouilli là-dedans un petit large avec un petit l'huile d'olive qui pour kimbe macaroni hein c'est sel non nous pas mettez sel nous pas mettez sel parce que pour tension nous pas besoin mon yo fait tension OK à part de macaroni qui l'autre ingrédient qu'on gagne ingrédient nous gagne mayonnaise nous gagne cheese nous gagne cheese parmesan cheese yes. Ou bien fromage parmesan yes fromage parmesan et nous gagne ham lek nous ka dit jambon nous gagne oignon nous gagne céleri nous gagne piment qui Jean nous au début nous t'a parlé de jambon qu'on gagne qui c'est jambon coden yes son smoke son on nous ca dire smoke ou bien nous dire on coden boucané on jambon boucané pour qui ça choix ça de coden boucané ça pour même bon choix ça c'est parce qu'il gagne plus bon on plus bon taste and l'épini parce qu'il gagne un bon petit parti boucané là dedans il gagne réduit li morcé pour moi même OK, donc comment préparation pour allier? Bon, quand il y a là nous commencer. Nous mettez jambon et macaroni, ou mettez picio, yes. Oignon. Nous mettez céleri. Nous mettez piment. Quand il y a là, nous mettez cheese, non? Quand il y a nous brasser.
Encore une fois, merci à Chef Celestin pour bon placard que nous te présenté nous aujourd'hui. Je m'a invité nous si nous passer dans Sud Floride là, et particulièrement dans notre mamie pour arriver dans Hawking Creole Restaurant. Et c'est là que nous mettons fin à l'édition Cocktail TV Show pour semaine ça. Moi, je souhaite que passer un très très bon moment avec nous et moi, j'espère retrouver nous semaine prochaine. C'était avec nous, Alain. Bonsoir tout le monde.